plus aucune valeur ajoutée, autant ne pas vous le dire et donc autant pas passer par mon lien et passer naturellement. Voilà, là je vous dis de passer par mon lien parce que si vous avez un problème, je suis là pour le régler avec vous et je pense qu'il n'y en a aucun qui trouvera le qui pourra dire le contraire. Donc voilà. Robert Tagle. D'accord. Pourquoi pas? 400 000 sur des ISCO Boosts, ok. Mais les boosts, le problème, c'est que j'ai un peu de mal en ce moment. Monsieur Luman, fais attention. Prochaine fois, tu te fais ban. Donc, reste poli. On est tous polis ici. Donc, voilà. C'est un peu le problème de Twitch, hein, quand même. C'est un peu le problème de Twitch. Voilà, ça a bugué mon ordinateur. Et voilà, c'est ouais, vous savez, malheureusement, ça sera de plus en plus fréquent hein, qu'il y ait des gens comme ça. Plus les lives grossissent, plus la possibilité qu'il y ait des gens comme ça qui viennent un peu déranger le live sera nombreuse. Hein. Il va falloir qu'on s'y habitue. C'est vrai que sur YouTube, etc., on n'avait pas pris l'habitude, sur Twitch non plus. On était notre petite communauté et on était plutôt pépère. Ok, pas de problème, le man. Tu peux, je comprends, ça arrive, des fois on pète un peu un câble, mais attention, la prochaine fois, c'est ban. On pourrait presque faire du monopole sur Diego Costa, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Hein. Ok, on a vu que c'était 50 000 à peu près. On va essayer de remporter un petit. On va lui mettre un gros coup dans la gueule là. On va ajouter aux objectifs transfert. Ok, ça aussi. Je pense qu'on peut faire des bonnes petites affaires là sur Diego Costa. Je pense qu'on peut faire. Je ne passe plus de crédit. Je me suis fait reset mes deux comptes à cause de ça. Donc je vous garantis qu'il n'y aura plus de crédit offert. Voilà, je ne peux pas me permettre de repartir de zéro. Bah, le bug, essaye de diminuer la résolution. Je peux pas te proposer mieux. Ok, bon, tout ça, j'ai pas regardé vraiment. Ok, on va essayer de enchérir un peu plus haut. La casette 9007. Ça, on va essayer de mettre. On va essayer d'augmenter encore. Allez, Diego Costa là. Qu'on le remporte à 34 000, qu'on se fasse des grosses couilles en or. Viens pas faire chier là, laisse-moi remporter mon petit Diego Costa. Tchou-tchou. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne lâcherai pas. Ça, c'est le problème aussi des enchères, hein, c'est que des fois c'est assez compliqué de remporter un joueur. C'est mon enchère la plus haute. Sur Diego Costa, ça sera 43 000, je pense, mon enchère la plus haute. Et on va la mettre tout de suite. Voilà, 42 750. Merci pour le follow, Titou. Ok. Je monterai pas plus haut. Hein. Pareil pour la casette, ça dégage. Oh, je monterai pas plus haut. Diego Costa, c'est toujours nous. Koscielny, si je vais monter plus haut. Koscielny, c'est 12 000 son prix, donc. Allez, Diego Costa, ça dégage. Ça se vend plutôt pas si mal que ça, hein, au final. Hein. J'ai juste l'emmerder un peu. J'aime bien emmerder les gens. Je vais le faire monter un peu. Alors ça, je sais pas comment diminuer la résolution sur tel. J'ai jamais regardé un live sur tel, je peux pas trop te dire. Ah si, si, mais Tolo Dogada, il y a eu deux épisodes. Un avant-hier et un hier. Il y a eu des épisodes, il y a eu des épisodes, hein, t'inquiète pas. Il y a encore, ça commence à me casser les couilles là que mon PC arrête pas de bugger comme ça. Ah merde, je vais le remporter. C'était pour le faire chier, au final c'est moi qui m'auto-fais chier tout seul. Qu'est-ce qu'il me fait mon PC portable là? Bon, je vois plus vos commentaires hein, pour le moment. Je sais pas ce que fait mon PC portable. Il se met en veille, mais normalement il suffit juste de bouger. La souris, bon, je sais pas trop. Il n'y a pas de problème. Hein. Merci pour le follow à bord d'iSport. Ah putain, je l'ai remporté, lui il fait chier. Je voulais pas le remporter, moi.
Bon, on va pas se plaindre. Hein. On va l'envoyer. J'aurais dû l'envoyer au club, quel con. Koscielny, 5005. Là, 4003. On va attendre un peu. Diego Costa. Bon. Allez, va au club. J'ai mon chat qui fait des folies. Salut Frizen, j'espère que tu vas bien. Merci Yata pour le follow. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est marqué. Hein, si vous voulez cliquer sur le lien pour me suivre sur YouTube, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Là, j'en suis en train d'en préparer deux pour ce week-end. Il y aura l'achat revente sur les attaquants. J'avais fait les milieux de terrain, j'avais fait les défenseurs. Et donc là, les deux prochaines vidéos, ça va être les attaquants et les défenseurs. En tout cas, vous donnez les joueurs que je trouve qui fonctionnent le mieux pour pouvoir faire de l'achat revente. Voilà, donc ça sera comme d'habitude une petite liste. Allez, merci Jésus, c'est gentil. Six mille quatre, on va lui mettre un bon petit coup dans la gueule là, Koscielny. On va essayer d'en remporter quand même au bout d'un moment. J'ai dû l'envoyer. Ça a dû me l'envoyer là-bas. Qu'est-ce que j'ai... Putain, c'est encore... 9009, non, mais... C'est trop limite, 9009. C'est assez chaud aux enchères, hein, quand même, hein, des fois, de remporter. Quel joueur je te conseille? Bah, tous les joueurs qui sont de l'ato, Godse, on va en refaire du Godse. Hein. On va en faire pas mal, je pense. Appliqué consommable, qu'est-ce que j'ai? Forme, est-ce que j'ai des petites... Voilà, c'est ça que je veux. Super. Allez, ça fera 4000 si on le vend. C'est pas mal 4000 quand même. Ça se prend. Qu'est-ce qu'on a vendu? Bim, un petit Lucas à 11 000. C'est notre petit Lucas avec 99 contrats. C'est bon ça. N'hésitez pas à dire hein, les joueurs qui marchent le mieux. Pourquoi je suis allé aussi haut là? Bon, attends. On remet 0 et on recommence. N'hésitez pas à partager hein, ce que vous vendez, ce que vous vendez pas. Là, c'est en train d'exploser le nombre de viewers depuis tout à l'heure. Salut Matt. J'ai le cou qui craque. Ok, Kotze, on va faire Kotze à 85 et on va faire Kotze à 86. Les deux se vendent très bien. Dès qu'il y a un joueur comme ça qui est dans la taux de la semaine, souvent son attractivité augmente parce que les joueurs ben, ne le voyaient pas forcément. Et là, vu qu'il est mis un peu partout, ben, c'est comme si on faisait de la pub pour Kotze. Et donc, il y a plus de gens qui veulent l'acheter et plus il y a de gens qui veulent l'acheter, évidemment. L'offre devient supérieure, la demande devient supérieure à l'offre et donc forcément le prix augmente. Hein. C'est assez simple à comprendre. On va faire Kotze à 86 aussi. Je l'ai pas mis dans mon équipe Kotze à 86. Ah non, ouais, on va le rajouter là. Donc MOC. Voilà, faites pareil. Hein. Constituez-vous comme ça une équipe concept. Pour aller chercher les joueurs le plus rapidement possible. Je l'utilisais pas trop parce que je n'avais pas pris trop l'habitude et là je me suis enfin mis parce que là avec l'upgrade je trouve que c'est le plus facile. Hein. Tu m'as tu dit? J'ai fait déjà du Dréa up. J'ai déjà fait. Bien joué Vitorino. Je sais pas combien il est le 86, tu me diras. Attends, on va regarder le prix d'abord. Ah mais il y a que ça. Putain oui, grosse attractivité sur Godse à 86. Malheureusement, il n'y en a aucun qui se finit rapidement. Donc on va quand même essayer de suivre parce que je pense qu'il peut y avoir des. Hein. Ah il a suffi que je dise ça que le nombre de suiveurs diminue d'un seul coup. Ça c'est rigolo. Je vais voir ce que ça donne comme liste quand je fais ça. Müller, il est monstrueux. Hein. Si vous avez une équipe comme ça que de Bundesliga, franchement, en attaquant, c'est lui qu'il vous faut. Hein.
Müller, l'attaquant qu'il vous faut. Vous avez une Bundesliga, c'est obligatoire de l'avoir dans votre équipe. Putain, il y a beaucoup trop de monde, j'arrive même pas à voir la liste complète. Super, merci Frizen, c'est sympa, moi aussi je t'aime. C'est la même chose que la Tekbura. C'est la même chose, en gros, t'actualises, c'est la même chose. Hein. Sauf que vu que je ne regarde pas les vidéos des autres, bah, c'est après qu'on me le dit. Moi j'ai appelé ça la Tech Bourrin, tout simplement, voilà, mais il y en a qui appellent ça la Tech 59. Et vu que je regarde pas les autres vidéos, je regarde pas les autres joueurs, je connais pas forcément le nom des techniques. Je les apprends quand vous me les dites, que moi j'ai découvert que c'était comme ça. Merci pour le follow, K767, merci, ça fait plaisir. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de mes prochaines vidéos. Déjà celle-là, hein, si vous pouvez pas voir le live en intégralité. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais à mon avis, quand tu tombes dessus, code ce, tu te fais des couilles en or. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Diego, putain, il partait à 36 000, fait chier. Celui-là, il a 40 000. On va essayer de le remporter. Hop, on essaye de se faire, de se rajouter au dernier moment. Putain, et Koscielny, il part bien. Hein. Au pire. Putain, 12 000. Je vais aller voir Koscielny parce que je pense que ça peut être intéressant. Allez. Non, mais je vais pas m'amuser. Hein. 46 000. C'est bon, j'en ai déjà un. 12 000. 2 minutes. 31 000, Boateng. On va essayer de remporter tout ça. On va essayer de remporter tout ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Koscielny. Ça a l'air d'envoyer du lourd sur Koscielny. Non, je peux pas ouvrir de pack. Regardez les gars, j'ai pas assez de crédit. J'en ai plus. Hein. Si vous me suiviez avant, je me suis fait reset mes deux comptes. Donc malheureusement, je n'ai plus assez. Ça sera demain, la prochaine vidéo sur Pokémon. Voilà, parce qu'il y a une autre qui s'appelle Let's Play Rétro. C'est moi aussi qui fait les vidéos. Et il y aura peut-être d'autres youtubeurs qui viendront se rajouter. Mais ça, pour le moment, c'est en pourparlers. Pour le moment, c'est moi qui fais les vidéos, et donc il y a eu Pokémon, et il y a du let's play, et il y a deux types, il y a du speedrun, où j'essaye de finir un jeu le plus rapidement possible. Ah, il n'y en a plus qu'un, parce qu'il y en a, putain, il était qu'à 12 000 tout à l'heure, what the fuck? À mon avis, là, on va pouvoir actualiser le Koscielny, parce que les gens de ce... Là, d'un seul coup, il a augmenté. Donc pareil, hein, vous avez juste à aller sur ma chaîne principale, sur YouTube, et si vous cliquez juste à côté, il va y avoir Let's Play Rétro, et c'est ça. Et vous pouvez regarder. Si vous aimez les vieux jeux, bah, je pense que cette chaîne est faite pour vous. Pour le moment, pas grand-chose. Hein. Alors, je vais aller voir quand même avant de continuer à faire ça, parce qu'il y en a qui se finissent là. Il y en a qui se finissent là, tes ventes. Là, on va lui mettre un gros coup dans sa petite gueule pour essayer de dissuader tout le monde. Et là, imaginez qu'on le remporte à 27 000, ça serait très beau. Ce serait même émouvant, j'ai envie de dire. Je sais pas combien il était, Boateng. Faut que je fasse attention quand même, Boateng. Combien il était? Merci, Polkar, pour le follow. Ah bon, ben hop, déjà, lui, on peut le retirer. Le petit Diego Costa, il est déjà à 41 000. Putain, les gars, il lâche pas après. Hein. Boateng, je sais pas trop à combien il est. Koscielny, on va essayer de le remporter aussi, mais bon. C'est assez compliqué aux enchères, hein, quand même. Hein. On a dit qu'il était à combien? Boateng. On peut le trouver à 85 000. Ouais, on est là, on est loin encore quand même. 85 000. On va essayer d'augmenter un peu. Ben, pour le moment, surtout, merci TBM de ouf pour le follow. C'est surtout que c'est pas que ça marche pas, c'est que tout simplement les prix ne font que descendre pour le moment. Donc, imagine que si l'application revenait, je pense que les prix s'envoleraient. Donc, faut vraiment faire attention, bien suivre, parce que le jour où l'application revient, à mon avis, les prix vont s'envoler. Parce qu'il y a encore possibilité hein, que l'application revienne.
quand ils vont voir qu'ils ont cassé leur joujou, peut-être qu'ils vont revenir en arrière. Allez, Diego Costa, 49 500. On l'a acheté 44 000, donc ça fait 5 000, on enlève 2 000. Allez, on a fait un peu plus de 3 000 de bénéfices dessus. Parfait. Ouais, bah, tant que je vais pas mettre plus. Je vais pas mettre plus. Parce que déjà, je pense que ça va encore augmenter. Ou au pire, je vais essayer 74 000 à la technique enculée. Ça, c'est une belle technique enculée. D'attendre vraiment la toute dernière seconde que le gars pense l'avoir remporté. Vous voyez, on lui a même mis qu'il avait gagné. Pendant quelques instants, il pensait l'avoir remporté. Donc des fois, le joueur va aller chercher. Il dit putain, mais il est où? Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut vraiment attendre. Bon, là, ça n'a pas marché. Ou sinon, essayer de leur faire péter une durite. Ah non, non, je me suis pas mis à l'achat-revente depuis que le reset, hein, ça fait longtemps. Peut-être que je ferai un match, je verrai. Ça va dépendre de mon envie. On va essayer de refaire. J'ai mon chat qui s'excite derrière là. On va se lui refaire un petit coup comme ça. J'ai eu ma première défaite avec, avec mon équipe sud-coréenne, malheureusement. Un match que je perds 3-0 avec 17 occasions pour moi et 4 pour lui. Donc un peu plus de réalisme de sa part. Malheureusement, non, moi très peu de réalisme. Hein. Juste, je me suis fait enculer par son gardien. Et mes attaquants qui ne savent pas marquer un but. Allez, hop, on va lui. Dernière, je monterai pas plus haut. Bah, il faut être sur PC en tout cas. Salut Théo. Ok, bon, on verra tout à l'heure. On fait de l'achat-revente pour le moment. Et tout à l'heure, peut-être que si tu veux, Mohamed 10, on fera un match. Est-ce qu'on va le remporter, le petit Boateng? Il est en train de. Et là, le prix a baissé. Il va y avoir des Boateng à 70 000. Et là, je l'aurai dans le cul. Tout ça pour avoir insisté, insisté, insisté. Ouais, c'est 85 000 le prix le plus bas. Bon, c'est plutôt intéressant quand même, hein. Si on l'a remporté. Ouais, c'est plutôt intéressant quand même. Hop. Ah, c'est bon, je suis obligé de le rajouter. Hop. T'as Col Siani, il y a une attractivité. Sur mon compte principal, j'avais à peu près 10 millions et j'avais à peu près un compte qui valait, si j'avais revendu tout, je pense entre 15 et 20 millions. Je devais avoir entre 25 et 30 millions à peu près. Je devais avoir à peu près. Donc ça fait un peu mal au cucu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Peut rien y faire. Hein. J'ai pas pleuré sur mon sort pendant 20 ans. Koscielny, putain, mais l'attractivité qu'il a, faut vraiment que je me mette sur les Koscielny là ce soir. C'est impressionnant. Lui, on a dit 92. On va lui mettre un peu de forme. On va lui mettre un petit contrat. Voilà, on l'a rendu tout beau. Tout beau. Allez, ça fera un peu plus de 4 000 de bénéf encore dessus. Ça se prend, ça se prend, ça se prend, ça se prend. Ben, je les ai mis, hein, les joueurs en haut. Vous avez le truc qui marche. Ouais, bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? On va pas pleurer, hein. Continuer, la vie continue. 83 000. Putain, qui est le petit enculé là qui vient de m'en mettre à 83 000 juste pour m'emmerder. Parce que là, c'est pour m'emmerder là qu'il vient de me le mettre. Bah, j'ai pas fait de vidéo le premier soir parce que je pense que j'aurais été très négatif. Et donc, je me suis dit, ça sert à rien de faire une vidéo pour râler, etc. Donc voilà. Je préfère attendre un peu. Le lendemain, c'était passé. Il y a des choses bien plus graves que ça, donc chercher sur le marché des transferts. On va aller voir les Lacazette là, s'il n'y en a pas des nouveaux, parce que Lacazette, il y a pas mal de d'erreurs de prix dessus. Allez.
J'ai pas lu ce que vous avez mis. Calme, calme, les gars, en tout cas. Ah putain, c'est à combien le prix le plus bas? Ça part pas très bien quand même, hein. Il y en a qui a mis comme moi. Ouais, regardez s'il n'y en a pas d'autres qui se finissent prochainement. Non, pour le moment, il n'y en a pas. On a dit qu'aussi. Ah, on a fait une petite vente. Qui c'est qu'on a vendu? Oh, super, un maillot du Barça. Ouh! On a fait une grosse vente. Grosse vente.